Aujourd'hui, nous voulons avoir notre thym caramel avec le lait. Et que ce soit en augmentation, thym caramel, mais il faut diluer. Parce que si tu ne dilues pas, tu vas avoir le thym clair directement avec. Parce que ça éclaircit en profondeur. Donc, il faut le diluer. C'est très important pour avoir le thym caramel. En tout cas, si tu veux. Donc, pour avoir le thym caramel avec, tu vas prendre le lait. Ça, c'est une cuillère. Voilà. Bon, j'ai déjà utilisé. Ça, tu vas prendre ça. Par exemple, si tu mets 6 cuillères à café de lait éclaircissant augmentation, tu vas mettre 5 huiles non éclaircissant dans le lait et tu vas mélanger, tu vas appliquer ça matin et soir. Une fois par semaine, tu vas pas appliquer le mélange éclaircissant. Tu vas prendre un lait neutre qui n'est pas éclaircissant. Tu vas appliquer. Si tu veux pas appliquer le lait non plus, tu vas prendre que huile non éclaircissant que tu as mélangé dans ton lait. Tu vas prendre ça, tu vas appliquer une fois par semaine pour avoir ton thym caramel avec le lait éclaircissant augmentation. Si tu n'as pas le thym caramel avec ça, c'est que là, on